ça. Un but, 90 plus 8, les derniers instants. Nous, on pensait déjà à la prolongation et tout. Racontez-nous ce moment. Est-ce que vous avez senti ce but venir lorsque vous avez vu Diakité sur ce côté? Vous vous êtes mis au bon moment? En fait, quand je vois la balle arriver, j'ai pas réfléchi, j'ai baissé la tête parce que le ballon il était derrière. Du coup, j'ai baissé la tête pour essayer de la ramener du mieux possible. Et après, quand j'ai vu que le ballon il était au fond, je sais pas ce que j'ai ressenti, plein de frissons. Je sais même pas à quoi j'ai pensé à ce une moment-là, célébration. quoi. On vous a vu foncer quand même vers le public guinéen, vers le public. Ouais, parce que ils sont là à nous soutenir depuis le début de la compétition. On sent qu'ils sont derrière nous et je voulais leur dédier ce but. Donc c'est pour ça que je suis arrivé vers eux. Un but important qui libère tout un peu le peuple. Mais ce n'est pas le seul d'ailleurs que vous marquez depuis le début de la CAN. Vous avez également marqué à un moment important lors du premier match face au Cameroun. Premier but de la Guinée dans cette 34e édition. Mais également votre premier but à vous dans une Coupe d'Afrique des Nations. Vous avez vécu quand même pas mal d'émotions intéressantes. Ouais, c'est sûr. Ça fait plaisir parce que, en vrai, je travaille pour ça, pour ces moments-là. Et le fait d'être récompensé, ça veut dire que mon travail fonctionne. Donc, je suis très content de ça. Mais maintenant, le plus important, c'est l'équipe. Et si j'arrive à faire gagner des matchs, tant mieux. Mais le plus important, c'est qu'on travaille tous ensemble et que les résultats, on les ramène tous ensemble et je ne les ramène pas tout seul.